avons une concertation pour qu'elle écoute tout le peuple de Guinée. Qu'est-ce qu'ils pensent et quelle voix et moyens qu'ils donnent aux nouvelles autorités de faire une transition juste pour que la démocratie continue. Mais avant ça, il faut que tout Guinéen sache que on fait le même avion, on est dans un avion grand vol qui est aujourd'hui piloté par le colonel Mamadi Doumbouya. Alors il nous a demandé, en tant que chef religieux, en tant que père, le vieux, qu'est-ce qu'on pense qu'il fasse pour la Guinée sans dérailler, sans déraper. Et on a donné beaucoup de choses et on va continuer à lui donner. Qu'est-ce que vous avez dit réellement? Non. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui. Il nous a demandé. On ne peut pas nous asseoir là-bas et dire ah, il faut faire ça et ça et ça. Nous avons promis d'aller concerter entre nous, musulmans et chrétiens. Nous allons tomber dans les points qu'il faut remettre à leur disposition. Nous allons faire. Mais avant ça, on n'a pas d'idée maintenant là que je vais donner. Si quelqu'un t'appelle, il faut m'aider de me donner l'esprit. Tu veux dire, ah, je te donne, je te donne sa vie, c'est pas toi seul. Nous représentons une religion. Religion, la vie de l'idée. C'est pas quatre personnes qui peuvent décider. Nous allons nous concerter. Après la concertation, on peut donner ce qu'on a à donner aux autorités. C'est ça. Merci beaucoup.